Eh bien, d'abord, en termes d'études, j'étais en 12, à 12 ans, j'étais en sixième de transition, si ça parle à quelqu'un, enfin, les personnes de notre âge, de mon âge plutôt, savent ce que ça veut dire. C'est une école pour les nuls. Et puis, j'ai réussi, malgré tout, finalement, à arriver avec un diplôme d'ingénieur, à sortir avec un diplôme d'ingénieur. Donc, de sixième de transition, où j'étais pas très doué, pas très bon à l'école. Je suis sorti avec un diplôme d'ingénieur en physique des matériaux, tu vois. Voilà. Alors, bon, jusque-là, c'est un parcours pas très classique. Et puis après, dans la vie professionnelle, ben, pendant 10 ans, j'ai fait du technico-commercial. Donc, j'ai une formation scientifique. Et puis, j'ai fait du technico-commercial. Mais j'étais toujours pas à ma place. Et jusqu'en 1995, là, j'ai eu une révélation. Donc, j'avais 35 ans. Et là, j'ai découvert ma voie, qui est le métier de formateur, coach et conférencier. Donc, voilà. Donc, c'était une année charnière très importante puisque j'ai démissionné de mon travail pour me. À l'époque, j'habitais à Lyon. J'ai déménagé à Strasbourg. Ouais, voilà. J'ai vécu à Strasbourg pendant quelques années. Et c'était donc une année transition avant de devenir vraiment à mon compte formateur et coach et conférencier. Alors, les voyages, j'en ai fait plein. Notamment en 2006. En 2006, j'avais un rêve qui était d'aller aux États-Unis en vacances. Et en même temps, j'avais envie de rencontrer tous les grands consultants de ce monde. Et alors, un concours de circonstances, tu sais qu'un de mes thèmes, c'est la chance. 3 jours après avoir exprimé ce rêve d'aller aux États-Unis et rencontrer tous les grands consultants de ce monde, j'ai reçu un livre par la poste. Et dans ce livre, il y avait marqué: Je suis allé au congrès des conférenciers professionnels américains où j'ai rencontré tous les grands consultants de ce monde. Et voilà. Donc, ce qui fait que 3 mois plus tard, j'étais aux États-Unis à ce congrès où j'ai rencontré 2000 conférenciers américains principalement. Il y avait 10 Allemands et un Français. Et comme il n'y avait qu'un Français, les Américains me demandaient toujours: What's your name, Francis? Et where are you from? D'où viens-tu? From France. Francis from France. Oh! Voilà. Donc, ils m'ont baptisé Francis from France. Et c'est comme ça que mon site internet, je l'ai appelé Francis from France. Voilà. Et la conséquence de cela, c'est que ça, 2 ans plus tard, enfin, 1 an plus tard, je suis retourné au congrès des Américains, des conférenciers américains, avec un ami qui s'appelle Laurent Tilski. Et lui, il était tellement enchanté de ce qu'il a découvert là-bas qu'un an plus tard, il a créé l'Association française des conférenciers professionnels. Voilà. Donc, le démarrage du métier de conférencier pour moi. Alors, conférencier, c'est un autre métier que formateur. Souvent, on croit qu'on peut passer de l'un à l'autre facilement. Bien sûr, il y a des parallèles. Et en même temps, c'est un métier totalement différent. Oui, alors, je suis arrivé en sixième parce que j'étais pas sixième de transition. Parce que j'étais nul en français, principalement. Et c'était quelque part une chance aussi, parce qu'en sixième, cinquième de transition, on n'avait pas les maths classiques de l'époque, on avait du calcul, hein, règle de 3, des choses comme ça. Et pour moi, j'étais plutôt doué en calcul et en règle de 3, alors que les maths, bon, c'était pas trop mon fort peut-être à l'époque. Et puis après, en sortant de cinquième de transition, là, il n'y a que deux possibilités, la vie active ou alors de faire un CAP. Et donc, j'ai fait un CAP électromécanicien. Et par chance, j'étais un des meilleurs de la classe. Et donc, je pouvais rattraper, revenir en seconde spéciale. Donc, d'un CAP, donc, sixième, cinquième de transition, 3 années de CAP. Ça fait que j'avais déjà 17 ans. Et donc, j'ai intégré une seconde spéciale à 17 ans. Et j'ai eu mon bac à 20 ans. Et là, j'ai aussi eu un coup de chance. Puisqu'en septembre, donc 1979, le proviseur me convoque dans son bureau. Alors moi, j'étais plutôt du genre timide, introverti et tout. Et donc je lui dis: qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il me convoque? Et j'arrive dans son bureau, il me demande: qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et moi, timidement, je dis: bah peut-être un BTS ou un DUT. Et là, il me répond: mais vous n'avez pas plus d'ambition? Et c'est là que il m'a permis d'aller en six ans. En mathématiques supérieures et mathématiques spéciales, en maths sup et maths spé, comme on dit. Donc j'ai fait pour pouvoir ensuite intégrer une école d'ingénieur, quoi. Voilà. Sinon j'aurais fait un BTS, un DUT peut-être, mais et là, en fait, en terminale, en F3 électrotechnique, j'avais 3 heures de maths et je suis passé en mathématiques supérieures à 14 heures de maths. Donc tu vois
le grand écart de passer de 3 heures à 14 heures de mathématiques. Donc voilà. Et après 2 ans, 2 années, donc c'était à Metz, et après 3 années à l'INSA de Lyon. Pas à Strasbourg. Alors Strasbourg ne s'appelait pas encore l'INSA.